L'histoire du roi David s'est déroulée il y a très longtemps, il y a environ 3000 ans. À cette époque, c'est Samuel qui était prophète en Israël et Saül était le roi du pays. Mais un jour, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Un roi ? Mais Seigneur, comment faire ? Le roi Saül va le savoir et il me tuera. Ne t'inquiète pas, Samuel. Quand tu seras chez Jessé, je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire. Tu verseras l'huile sur la tête de celui que je te désignerai et il me sera alors consacré. Samuel fait ce que le Seigneur lui a demandé. Il prend de l'huile et il part à Bethléem. Ah, le voici enfin arrivé. Mais c'est le prophète Samuel. Bonjour Samuel, pourquoi donc viens-tu chez moi ? Que se passe-t-il ? Bonjour Jessé. Je suis venu car Dieu m'a demandé de consacrer l'un de tes fils. J'ai donc apporté de l'huile et je lui mettrai sur la tête tout à l'heure. Jessé fait donc appeler ses fils. Je te présente Eliab. Oh, il est bien grand. C'est sûrement lui qui recevra l'onction du Seigneur. Non, Samuel. Ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Moi, Dieu, je ne regarde pas l'apparence. Je regarde le cœur. Jessé présente ainsi à Samuel ses 7 fils. Abinadab, Shamma, et puis les autres. Écoute, Jessé, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons ? Oh si, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Bon, d'accord, alors envoie-le chercher. Jessé le fait donc appeler. Le garçon était roux, il avait un beau regard et un beau visage. C'est lui que j'ai choisi, donne-lui l'onction. Alors Samuel prend l'huile et donne au jeune David l'onction au milieu de ses frères. Et à partir de ce moment, David est rempli de l'Esprit du Seigneur. À la fin de la journée, Samuel se met en route et s'en retourne chez lui à Rama.